Et comment on peut s'assurer que les vidéos tuto sur YouTube, ça fonctionne? Eh bah, ben, ça va pas être avec le nombre de vues, bizarrement, parce qu'une vidéo tuto qui va faire 10 000 vues, ça c'est extraordinaire. Quoique, la vidéo qui fait le plus de vues sur ma chaîne, c'est un tuto sur comment régler l'heure sur un fourboche. Donc ce que je dis, c'est peut-être pas très vrai. Mais sur le machinisme agricole, là où eh bah, on n'a pas un public où il y a des millions et des millions de personnes, malheureusement il y a de moins en moins d'agriculteurs d'ailleurs, bah, la vidéo tuto, pour savoir si ça fonctionne bien, vous allez regarder sur YouTube votre taux de rétention. Parce qu'une vidéo tuto qui livre une solution, bah, la personne, elle va regarder cette vidéo de A à Z. Et le taux de rétention, il va être énorme parce qu'il va être proche du 100%. C'est-à-dire que la personne, pour voir la solution, elle va être obligée de regarder toute la vidéo. Et ça, dans des vidéos, on va dire, de divertissement, la clé qu'on apprend sur YouTube, c'est de retenir le spectateur sur la plateforme. Et les taux de rétention, c'est l'indicateur de fou. Je vais vous trouver des stats. Sur le taux de rétention de cette vidéo tuto avec 22 000 vues, c'est que à 48 secondes, donc à la fin de la vidéo, il y a encore 60% de personnes qui regardent et c'est énormissime. Ça, tu l'atteindras jamais dans une vidéo de divertissement.